Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS, vidéo qui va concerner la révision de ma petite 205 GTI 1,9 litre. Marie-Christine passe à la révision. C'est une 205 1,9 de 91. On a déjà fait le test sur la chaîne. Ça fait une paire d'années que j'ai cette voiture. Je l'ai achetée il y a 15 ans, un peu plus maintenant. Et pour les 15 ans de notre collaboration, il va falloir qu'elle passe un peu avec une bonne révision, on va dire. Elle a 157 000 km. Aujourd'hui, moi je l'ai acheté à 108 000, je l'ai acheté à 108 000 km en 2008, en juin 2008. Donc ça fait pile 15 ans. Et aujourd'hui, elle a 2-3 problèmes à, elle a 2-3 problèmes à régler. On va voir ça de suite. Je vais vous montrer les petites choses à regarder en priorité. C'est une voiture que j'ai pas tellement de temps de m'en servir puisque j'ai beaucoup de voitures, beaucoup de travail, etc. Enfin, un peu comme tout le monde, quand on commence à accumuler les voitures, ça différent. On n'a pas tout le temps le temps d'utiliser la voiture qu'on veut. J'aimerais bien rouler un peu plus avec, mais bon, le temps me manque un petit peu pour l'utiliser. En 2016, elle avait 153 000 km. Et en 2014. Elle avait 150 000 km, donc en gros elle a fait 7000 km en 9 ans, un peu plus de 7000 km, hein, quasiment 8000 en 9 ans, et ces 150 000 km là, c'est quand j'ai fait la distribution la dernière fois. Donc la courroie elle a 9 ans, donc voilà, on va la changer. Donc je vais changer les deux courroies, ça va faire partie de l'objet du travail. Évidemment, on va faire une révision. La dernière que j'ai faite, je crois que c'était pendant le, ça devait être pendant le confinement, le premier là en mars 2020. Je sais pas, j'ai dû faire 1000 bornes depuis. Donc il faut que je fasse une vidange filtre. Il faut que je change. On verra après quand je vais la lever. Mais j'ai le joint de carter qui commence à se pointer. Voilà. Donc j'ai une petite goutte derrière. On va voir après comment c'est. Je vais la lever. Donc j'ai ça qui me plaît pas sur la voiture, et j'ai un autre truc qui me plaît pas, enfin j'ai deux autres trucs qui me plaisent pas. Il y a un moment donné, il va falloir que je pense à changer les pneus avant, donc ça va faire l'objet de ce remplacement, puisque pareil, je suis très très joueur avec ma voiture, et quand on dit que le cordonnier est le plus mal chaussé, ça fait partie de ces plaisirs là, puisque à l'avant je suis encore en pilote Exalto de l'époque, et je croyais qu'il y avait la date dessus, mais il me semblait que c'était 2002. Moi qui ai que à droite. Donc j'ai du pilote Exalto de 2001 devant. Donc évidemment 22 ans pour les pneus avant. Alors ils sont pas usés en gomme, hein, mais voilà, c'est un peu usé. Et pareil à l'arrière, les pneus sont de 2008 je crois. Donc il va falloir que je les change également. Donc on va faire les 4 pneus sur la voiture. Et dernier problème que j'ai, et là c'est vraiment pour moi inutilisable au niveau de la voiture, c'est que j'ai un souci avec la direction, et je sais pas pourquoi j'ai ce problème là. C'est qu'on a subi des inondations il y a 2 ans chez moi, d'où les petites traces de boue à droite à gauche, et en fait j'ai eu la moitié de mon box, enfin la moitié de la roue à peu près à ce niveau là où ça a été inondé. Et du coup pour sortir la voiture dans la rue, etc., il a fallu que je roule, et depuis que j'ai ça, j'ai des problèmes dans la direction. Je la sens moins utilisable. Des fois j'ai comme des points durs dans la direction, donc il faut que je regarde tout ce qui est crémaillère, etc., pour voir s'il n'y a pas un problème de ce côté là est-ce que c'est au niveau de l'accroche de la direction que ça pose problème, est-ce que c'est autre chose, est-ce que c'est la crémaillère qui est morte. Pour le moment je sais pas, donc on va regarder ça tout de suite. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal quand on aura fait tout ça sur la voiture. On aura déjà bien avancé, je pense. Première chose que je remarque là sur la voiture, donc non seulement j'ai bien ma fuite, il faut que je refasse le joint de carter, donc comme je vais faire la vidange, ça ira bien en même temps. Par contre, j'ai une autre fuite qu'a priori j'avais pas avant depuis la dernière fois. J'avais pas avant depuis la dernière fois que j'avais levé la voiture, mais là on peut voir que c'est tout gras et tout, et ça remonte, et j'ai l'impression que c'est au niveau du boîtier d'eau là derrière, donc il faut que j'enlève le débitmètre, etc. Donc je vais déposer les trucs
Et puis je vais regarder parce que du coup ça coule bien jusque là. Ça en fout partout sur la boîte machin. Et ça ressemble plus à du liquide de refroidissement qu'à de l'huile. Donc démontage de tout ça. Et on va regarder ce qu'il y a là-dedans comme potentiel problème. J'ai comme un petit jeu comme ça. Là-dedans. Peut-être un peu de bruit. Ça fait du bruit. Donc vraiment pas terrible. Pareil, un peu de jeu comme ça. Roulement. Il faut que je fasse les deux roulements à l'avant de la voiture. Bon, j'ai donc procédé à quelques démontages pour avoir une meilleure visibilité du compartiment moteur pour déterminer d'où vient cette fuite. Et je pense que c'est le joint de l'allumeur qui est foutu. Donc je vais le changer, je vais faire le joint de couvre-culbuteur en même temps dans le doute. Mais l'huile remonte bien derrière. Donc je pense que ça vient bien de par là. C'est gras là ici. Donc je pense que ça vient de là. Donc je vais commencer par ça. Je vais tout dégraisser par la même occasion. Et puis voilà, j'ai mis un coup d'eau histoire de rincer tout ça. Je vais me faire baigner tout ça au WD-40 pour pas galérer. Et puis voilà, après on va démonter. Donc pour faire les. On va faire les roulements à l'avant. Je pense que je vais changer directement la crémaillère de direction. Parce qu'en fait, l'eau boueuse de mes inondations d'il y a 2 ans, je pense que ça a affecté vraiment les parties en mouvement, les petits roulements qu'il doit y avoir dans la crémaillère, plus le roulement principal de roue. Après, l'amortisseur, ça va, la bielette de bar stable, ça va, les flexibles, c'est ok, 10 plaquettes, c'est bon. Je ferai aussi une purge de frein par la même occasion. Et la distrib, voilà, après, pour le moment, j'ai rien vu d'autre à remplacer. Elle est plutôt toujours en état correct. C'est quoi le module là ? Je sais pas, ça va voir. Les vis de 3 km. T'as pas fini ta clé ? On peut. La clé découpée, on peut. Ah, ici, ça ferme aussi, non ? C'est pareil, non ? Ici, c'est... La hantise, c'est une culasse. Il y a le collecteur qui est gaze et donc tu as plus vite fait d'enlever la culasse que c'est au niveau des bougies, non ? Ouais. Puis je me demande si le collecteur est pas fissuré dessus aussi, je sais plus. Tu l'avais changé ça là ? Sur celui-là, oui. Ah, tu l'as changé, oui. Origine Peugeot, tout neuf, 20 000 km. Il est tout gris, le truc encore. Si on veut enlever ça, il faut enlever ça. Hein. Parce que lui, il passe derrière. Pas de chance, on y arrive. C'est le cache inférieur, ça, en plus. Celui-là, on l'enlève pas.
Et bah. Je me demande s'il n'y a pas une vidéo derrière. On va voir, on va découvrir. Je fais un marquage. Hein. Vas-y, je marque. Le bruit de l'économie là, t'entends. Ça c'est une diesel. Oh merde, c'est pas réglé. T'aurais pas pu me le dire. Comment? T'aurais pas pu me le dire. Bah, je te dis rien. Mais... Bah je vois ça. Hein. Je préfère jouer avec ta console, ta caméra. Ça c'est vraiment une phrase de vieux. Hein. Ça, même ton daron il osait plus la dire celle-là. Oh là là. Arrête de jouer à la console. Sors un peu. Va te faire des copains. Je trouve qu'elle est un peu trop rentrée. Déjà un peu moins de risque à la démarrer là, tu vois. Même si c'est pas terrible. Si t'es joueur, tu vois. Si... Elle peut faire un hula hoop. Si t'es joueur. On teste. On teste. Là on est bon là. Là ça biche. Là, on va prendre 200 là ce soir. On va run direct là. Souviens pas de ce que c'est les runs. Oh, elle en a vu, elle en a vu. Je me rappelle qu'elle a coupé les Ibiza, enfin elle a découpé. Elle a foutu la flemme aux Ibiza Recroix à l'époque. Hop. Et ça c'est bien ça. Tu vas te foutre la flemme aux Ibiza Recroix. Ça c'est pas beau. Non, mais ça c'est ma voiture. C'est-à-dire. Elle m'a jamais cassé les couilles cette voiture. J'ai toujours enlevé un truc. C'est pour ça là, je comprends pas là, toutes les vis qu'on a galéré là. Donc là on laisse comme ça, il n'y a pas besoin de tendre plus, je pense pas. Hein. De toute façon elle est bien tendue. Donc voilà, hein, quoi on fait. Hein. Je pourrais aller à la carnasse, c'est cool. Bon après la distrib, j'ai été un petit peu surpris par la pluie. On va voir que tout est arrosé, la voiture, les cartons, machin. Ce qui fait que j'ai été obligé de démonter rapidement. J'ai pas filmé chaque côté les moyeux, je les ai sautés. En même temps, il n'y a pas grand chose de très intéressant à voir là-dessus, je pense. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va être obligé de sauter la crémaillère parce qu'on va la changer. Donc ça, c'est l'opération, on va dire, du jour si la météo nous laisse tranquille. Il y a l'air d'avoir un petit peu de vent, mais pour le moment, ça c'est un petit peu découvert. Et du coup, les cartons, les machins, tout a pris cher. Là, ça, il y a eu un petit coup de vent avec. Donc voilà, c'est un peu chiant. Bref, donc les deux côtés, j'ai sauté les moyeux. Je vais aller faire changer les roulements parce que j'ai essayé de les enlever, mais à part des insultes, j'ai pas fait grand chose. Donc pareil, je vais les faire remplacer parce qu'ils sont vraiment grippés à cause de la boue et puis des années qu'ils ont. Donc voilà, et je vais pouvoir poser la crémaillère neuve qui est ici. Comme ça, on va gagner aussi un petit peu. De ce côté-là, il y a les rotules de crémaillère aussi à changer. Donc je les ai, ils sont dans le carton. Et puis donc bah, lundi, parce que là aujourd'hui on est samedi, lundi j'irai dans un garage que je connais pour qu'ils me puissent me faire mes roulements, parce que moi j'ai pas de grosse presse. J'avais déjà fait les roulements, j'avais montré les roulements sur. J'avais changé sur la 205 multi, mais moi ils sont trop pourris, donc je peux pas les faire. Et puis vidange avec des poses du carter
nettoyage du carter, il faut refaire les joints, les machins, enfin voilà. On va faire ça là maintenant. Donc sautage de crémaillère tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par sauter la vis qui est là, qui est le, sur le cardan de direction, enlever le crochet, je crois que la vis c'est du 11. Et après, bah, il y a les deux écrous qui tiennent sur le berceau, et je crois qu'il y a une goupille aussi, mais je ne suis pas sûr que j'ai besoin d'enlever la goupille. Voilà, sinon c'est tout, et après on la sort par le côté gauche, parce que sinon il y a les biellettes de boîte qui gênent. Avec le droit, avec le volant droit, on a la vis qui nous tombe en face. C'est pas du 11, c'est du 13. Hop. C'est bien, bien serré cette merde. La mauvaise chanson de Maître Gims, c'est, je sais pas, c'est la mauvaise chanson. Oula putain, j'ai fait envoler le truc. Ça, c'est les fans de Maître Gims qui vont gagner. J'ai en tête la mauvaise chanson du mauvais chanteur Maître Gims. C'est ma direction. Ah merde, ma direction, c'est ma direction. Voilà, donc le ma direction de Maître Gims m'a guigné pour le moment. Il faut que je passe ce gros bloc. Putain, j'espère que je ne l'ai pas vraiment paumé. Hein. Mon petit crochet. On est comme des cons. Putain. Bon, on va passer ça au nettoyeur, aux ultrasons. Je vais mettre le crochet de la boîte avec, de la cardan de direction. Je vais mettre tout ça. On va mettre ça sur l'appareil. En attendant que le nettoyage se fasse, on va regarder ce qu'il en est de notre matériel. Donc là, on avait les soufflets qui étaient bien craqués. On peut voir qu'il y a plein de boue dedans là, qui a séché. Enfin bref, ça a défoncé la direction. On peut voir que c'est la même, hein, la même accroche, etc. Donc c'est bien, et il manque juste donc les deux rotules de boue qui sont une là. Donc ça a pris la flotte pas mal. Là, le carton il se déchire en deux comme ça. Voilà. Alors je sais pas si ça sert à grand chose, mais je vais essayer de compter le nombre de tours à laquelle elles sont enfoncées. Je vais partir sur cette base pour les mettre, mais ça n'empêchera pas de faire un parallélisme. Avec un peu de chance, pour ramener la voiture jusqu'au para, elle sera pas trop pourrie à conduire. Donc on va essayer tout de suite.
Voilà. Donc là, les rotules, c'est à peu près comme c'était d'origine. Bon, là, évidemment, on n'est pas du tout centré. Hein. On va d'abord passer la crémaillère. On va mettre ça bien comme il faut en place. Et puis, on verra plus tard en termes de qualité de direction ce que ça vaut. Bon, quand il y a les pieds de biche de sortie, c'est que Maître Guim c'était pas avec moi pour ma direction. Donc ça m'a cassé les pieds. Pour rester poli. Voilà. On va remettre ça à peu près comme ça. Là j'ai pas encore serré les vis d'en bas. Mais en tout cas, ça fait chier. En témoigne les pieds de biche que je viens de montrer. Et tous ces trucs que j'ai décrochés qu'il va falloir que je raccroche. Voilà, donc je vais les remettre. Je vais visser ça. Et on sera bien. On peut voir le travail de l'ultrason. Là au bout, j'avais oublié d'enlever le boulon. Ce qui fait que c'est crade. Et avant, elle était comme ça la vis. Et là, maintenant, elle est comme ça. Donc il y a quand même un sacré changement de propreté entre les deux. Évidemment, malheureusement, ça n'enlève pas la rouille. Mais parce que c'est pas de l'époxy. Mais bon, l'ultrason, c'est quand même pas mal. Bon, donc ça y est. La crémaillère est totalement posée. J'ai remis le cache au bout là-bas. Voilà, ici, j'ai remis le petit cache qui est un pare-chaleur. La direction est posée. Les rotules sont réglées à 20 tours et 22 tours de l'autre côté, comme c'était avant. Je ne sais pas si ça sert à grand-chose, mais bon. Voilà, en tout cas, c'est fait. Et puis, maintenant, on va passer à la vidange moteur et à la dépose des carters pour les joints. Donc nous voici en présence du carter d'huile démonté et nettoyé. Voilà, donc c'est tout de suite plus agréable. On va y mettre le joint et on va le reposer évidemment. Et en dessous, donc ça se présente comme ça, avec donc ici le bas de la jauge à huile. Hein. Pour ceux qui ne savent pas, ça c'est la pompe à huile qui est entraînée par une chaîne à l'intérieur. Et puis bah, après on remonte au niveau du moteur, biel, coussinet, etc. etc. Voilà, donc bon, enfin il n'y a rien de... C'est tout ce qu'il y a de plus classique pour un moteur classique de 40 ans quasiment de conception maintenant. Donc... Il va falloir remettre le joint tout simplement et puis le carter avec la visserie. Bon, finalement je vais plutôt, avant de remettre le carter en bas, enlever le carter d'en haut. Pas compliqué, une vis, deux vis, le retour d'huile ici, la vis au centre là, et ensuite le carter saute, et comme ça je mets le joint neuf. Hein, je l'ai pris avec, donc tant qu'à faire autant le faire. Et puis je vais changer le joint de l'allumeur qui vient à côté. Bon. Voilà l'engin. Donc changement du joint, je vais nettoyer ça en même temps. Profiter un petit peu. Puis là je vais enlever l'allumeur pour récupérer le joint ici. Donc évidemment, quand on enlève l'allumeur, ce qui est très important, c'est de ne pas perdre son réglage, parce que sinon on n'est pas bien. Donc il faut faire une petite marque à ce niveau là au niveau du réglage. Voilà. J'ai un petit peu d'avance à l'allumage, pas grand chose, histoire que ça taquine un petit peu.
Je pense que l'origine de la fuite ne fait aucun doute, hein. C'était très coulant au niveau du joint de l'allumeur qui se trouve là, donc sur l'allumeur en lui-même. Donc bah, petit nettoyage et changement du joint pour assurer de nouveau une très bonne étanchéité. Donc le remplacement du joint est fait sur l'allumeur. Pas oublier quand vous faites ce truc de rebrancher la durite de dépression qui vient sur la capsule de dépression. Donc la capsule de dépression, c'est ce qui est en dessous de l'allumeur, parce que si ça s'est débranché, zéro puissance. Pareil, si la durite est pourrie, zéro puissance, il n'y a plus de pêche. Et évidemment, si la capsule de dépression qui est sous l'allumeur ici, voilà cette capsule qui est là, si elle est percée, également pas de pêche. C'est un des problèmes chroniques sur les 205. Pourquoi elles n'avancent pas, c'est souvent ce truc qui est HS. Quand la lumière est bien réglée, que la capsule de dépression n'est pas percée, que la durite de dépression n'est pas percée, on peut régler les choses correctement et avoir une puissance digne de ce nom. On va ensuite donc procéder au changement du joint. Après avoir mis un coup de propre sur le support du joint et sur le couvre-culbuteur, on va donc prendre le joint neuf. Bon, voilà, c'est posé, c'est serré, donc il faut juste remettre le petit accessoire qui va bien au milieu. Et puis on va s'attaquer au dessous dorénavant. Et donc même chose ici, hein, le joint de carter d'huile, on le place et on visse en remettant les vis au bon endroit. Et donc dernière chose avant de remettre le carter au niveau de la pompe à huile, si vous enlevez ces vis là, vous allez retrouver le ressort de pression d'huile qui, s'il marche, votre manomètre au niveau du tableau de bord va vous donner l'indication de pression d'huile. Parfois, vous pensez avoir un manque de pression d'huile et c'est juste ce ressort qui est détendu. Voilà, moi je l'ai changé il y a, je sais pas, une dizaine d'années. Moi, je n'ai pas fait beaucoup de kilomètres, mais donc du coup, je le change pas. Mais j'ai changé le grade d'huile là pour voir, pour faire le test une fois que le moteur sera chaud, pour voir si elle augmente un petit peu. Mais c'est un ressort qu'on appelle ressort pression d'huile 3/5, puisque au tableau de bord à chaud, vous êtes censé avoir 3/5 à 4000 tours. Voilà. Moi, quand j'avais changé, j'avais genre 4 bars à 4000 tours, et là, je suis revenu à 3/5. Alors, est-ce que c'est le ressort qui s'est fait un petit peu, ou est-ce que c'est autre chose? Je sais pas, mais bon, voilà. Je vais voir avec la nouvelle huile ce qu'on aura comme pression d'huile à 4000 tours et à chaud. Bon, donc pour aujourd'hui, ce sera pas mal. Tout le dessus est remonté avec voilà, encore le passage de câble pour les bougies. Voilà, je vais y arriver, on est fatigué, c'est le soir. Donc ça c'est fait, la crémaillère c'est bon, le filtre à huile il est monté. Et en dessous, j'ai perdu le petit boulon de 7, donc il faut que je mette le boulon de 7. Mais sinon, pour le reste, c'est bon, c'est fait, c'est nickel. La petite plaque ici, je l'ai montée. Donc voilà, un petit coup de rangement pour ce soir. Et c'est terminé. Je vais lui mettre 5 litres de 10-60. Parce que j'ai envie de voir ce que ça fait au niveau de ma pression d'huile. Est-ce que c'est mieux ou pas pour cette voiture? C'est la grande question. Mais c'est que 5 litres tout pile, hein, sur les XU 1,9 litre. C'est facile au moins.
pas de bidon de réserve malheureusement. Donc nous voici en présence d'un colis que l'on va ouvrir en direct. Neuf. Ça va faire du bien ça. Donc faut que je récupère mes sondes sur mon radiateur d'origine, que je les mette là-dessus et que je les remette sur l'auto. Ça y est, on a un beau radiateur neuf des familles. Le vieux, je l'ai dépouillé, j'ai remis le petit support, j'ai branché les durites, donc je vais pouvoir remettre la traverse avec l'accroche pour l'accroche du capot. Et puis après, bah, je remets en eau et on va démarrer tranquille, on va voir ce que ça fait. Bon, calandre remonté, traverse remontée. On va mettre de l'eau dans le compartiment et après je vais commencer à remonter le débitmètre et tout. Puis on va voir si ça démarre et si surtout ça ne fuit pas. J'ai donc complété le niveau comme un cochon, mais je l'ai fait. J'ai ouvert la vis de purge là-bas, donc ça c'est bon. Je vais mettre une batterie de dépannage. Hop là. Il y a toujours de l'huile, il y a de l'eau. Normalement, il y a du jus dans la batterie. C'est une vieille batterie, mais normalement, je pense qu'elle démarre. J'ai des clés dessus. Le contact s'allume. Comme ça démarre et que jusqu'ici tout va bien, j'ai récupéré les moyeux avec les roulements neufs. Donc je vais les poser, je vais remonter les deux trains roulants et puis en espérant que tout aille bien. Bon là c'est nickel, de ce côté là, plus de jeu du tout, donc on est pas mal. Il faut juste que je serre les boulons, que je mette le cache au centre, on est pas mal, même opération de l'autre côté. Là, il est rentré. Bon, ensuite Hop.
Voilà. Ça, c'est fait. Donc on roule. Là on est dans un bled de campagne. Le para est complètement dans les choux, donc je fais pas très très vite. En fait quand il y a une bosse, quand il y a un défaut de route, la voiture elle cherche sa route, elle part à gauche ou à droite, donc il faut mieux que je la tienne à deux mains. En tout cas elle a pas l'air de... En termes de fuite et tout, ça a l'air d'aller. On va regarder une fois que j'aurai fait mes 15 km. Mais en tout cas, ça a l'air pas mal, à part le para qui est pas terrible. Un truc de marque pour 205 GTI et c'est pas la bonne taille de joint. J'ai vraiment la flemme.
vas-y, ça me casse les couilles là. Il y en a aucun qui va. Ah non, il y en a aucun qui va. Putain, c'est vraiment de la merde. C'est vraiment de la merde. Puis moi, j'ai fait tomber tous les joints. Il va celui-là ou pas? Ah non, il passe mes couilles. Il n'y en a aucun qui passe. Putain. Je les ai tous fait tomber en plus. Les joints ils ont mis long. C'est bon, j'ai remis le neuf. Le vieux, c'est marrant, c'était un Audi. J'avais oublié ce truc. C'est tellement longtemps que je l'ai posé. J'espère que les vieilles... J'espère que les vieux joints, ça va le faire. Ça a pas l'air de fuir, donc je pense que c'est bon. Ça a l'air de le faire. J'ai fait un contrôle général après 100 km, pas de jeu nulle part, donc on est bien côté droit, on va faire le côté gauche juste après. Et donc, on a également un côté gauche sans jeu. Et j'ai vérifié le cardan aussi, c'était bien serré. Donc, c'est prêt pour le CT. Donc ça y est, on a notre contrôle technique qui est fait sur notre 205 GTI après la révision. On a un contrôle technique vierge, hormis mes problèmes d'identification de châssis, mais ça malheureusement je peux rien faire, il y a eu une erreur à l'usine quand ils ont fabriqué la voiture, ils ont fait une erreur au niveau de la lettre, on peut voir sur le rapport que c'est écrit VF320 AD62.
Alors que bah, sur les éléments et sur la plaque constructeur, la carte grise, etc., c'est VF 320 CD62, donc ce qui correspond à une 205 1.8 9 non catalysée. Une catalysée aurait VF 320 CDK62. Alors ça, c'est à titre informatif. Donc bon, je ne peux jamais avoir un contrôle technique vierge à cause de l'erreur à l'usine de fabrication de la voiture. Donc c'est plutôt satisfaisant de ce côté-là. Par contre, il y a un peu de ripage sur les chiffres du bas du contrôle technique. Il y a un peu de ripage. Alors moi, je trouve que la voiture roule droit et le parallélisme est plutôt bon aussi. Mais pas en crainte la voiture. Hein. Quand je lâche le volant, elle roule droit. Donc, bon, peut-être que le contrôleur a mal placé la voiture sur le banc de contrôle. Et je commence à avoir un petit peu de dissymétrie de suspension à l'avant et à l'arrière. Bon, la voiture roule très peu aussi hein, sur les 10 dernières années, donc c'est peut-être normal. Mais en même temps, je sens aussi que mes coupelles de suspension à l'avant, j'ai quand même un petit craquement. Donc le prochain coup de révision va se porter sur cette partie, sur l'amortissement de la voiture, et je pense qu'on aura du coup un meilleur résultat de ce côté-là, mais bon, globalement, je suis plutôt satisfait dans l'ensemble. Ça y est, nous voilà arrivés au terme de cette vidéo pour cette petite remise en route de ma 205. Donc voilà, elle roule plutôt bien. J'ai retrouvé les performances du premier jour. Avec mon passage au banc à l'époque qui était plutôt pas mal, je sens que la voiture est revenue à ce qu'elle devait être. Donc ça me fait plaisir. J'ai retrouvé aussi un châssis digne de ce nom, donc quasiment. Donc c'est également un plaisir pour moi. Donc voilà, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. On fera d'autres épisodes sur la voiture, je pense l'été prochain, quand il y aura besoin de passer à de nouvelles opérations. Voilà, merci à vous d'avoir suivi cette nouvelle vidéo sur la chaîne Le Garage PTS. Merci encore pour votre fidélité. N'hésitez pas à vous abonner, à aimer, à commenter Le Garage PTS sur Facebook, YouTube et Instagram. Merci à vous, à bientôt.